enfants d'abord et le match de la Fondation. Particulière autour de Noël. On voulait faire vivre un moment exceptionnel à des enfants qui sont en difficulté. Et donc ce soir, dans le carré, il y aura 200 enfants. Je pense que c'est une première. Ils ont pu faire le tour du terrain, aller saluer les supporters et voir l'échauffement des joueurs. Toutes les activations, les escort kids, les enfants qui tiennent la bâche du rond central, tout ça, ce sera des bénéficiaires de la Fondation du Paris Saint-Germain. Donc c'est une super soirée pour eux. Ils vont vivre des moments magiques. Ils vont repartir avec plein de cadeaux. Ça, ils ne le savent pas encore. Donc c'est un moment important pour nous dans la Fondation. Et je voulais savoir aussi si le terrain et les crampons ne vous manquaient pas trop. Non, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis très épanouie dans ce que je fais pour la Fondation et je suis contente d'apporter du bonheur aux enfants. Thank you.
mon ami. Ça va, petit? Tranquille? C'est ça! Voilà! Check! Le petit, ton. Ouais, t'aurais besoin de me dire. Allez, vite! On ne connaît pas du tout. Hein? Allez! Joyeux Noël et à l'année prochaine. Ting. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain en cliquant ici.